un des gros films de l'année. Espérons qu'il arrivera plutôt rapidement. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprizade. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce VO sous-titrée du film The French Dispatch, un film de Wes Anderson qui avait fait il y a 2 ans L'île aux chiens. Et ce film est composé d'un casting de malades qui présente Bill Murray, Tilda Swinton, Timothy Chalamet, Benicio del Toro, Adrien Brody, Léa Seydoux, Elizabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Sacha Ronan et bien d'autres. Voilà, vraiment un casting de malade. Hein. Ce film est à la fois une comédie, un drame, une romance et un biopic. Il met en scène un recueil d'histoires tiré du dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville française fictive du XXe siècle. Et ce film devait faire partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020 qui a été annulé. Et il a été malheureusement un des films impactés par le coronavirus. Il était d'abord prévu pour mai, je pense, vu qu'il faisait partie de Cannes. Il a été décalé en juillet, puis il a été décalé au 26 août 2020 en France. Le problème, c'est que avec le coronavirus et avec la réouverture des cinémas aux USA, le film a été décalé en octobre 2020 aux Amériques. Cependant, la date française n'a pas été encore repoussée en octobre, mais on doit s'y attendre. Donc pour le moment, la date française est toujours le 26 août 2020, mais le film pourrait être très bien repoussé en octobre 2020, à peu près en même temps que les USA. C'était vraiment une très longue présentation du film. Maintenant, il est temps de regarder cette bande-annonce. Lumière, moteur, ça tourne, ray, action, générique. Dispatch, bande annonce, c'est parti. It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest. You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. For decent people. It's supposed to be charming. He assembled a team of the best expatriate journalists of his time. Berenson, Sazerac, Kremenz, Roebuck Wright. These were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose. C'est Bill Murray, là. The take is the subject of tonight's lecture. Mr. Moses Rosenthal. Certainly, the loudest voice of his rowdy generation. Simone Naked. Léa Seydoux. Hobby room. I want to buy it. It's not for sale. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes. In short, the picture was a sensation. La vache. The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom, full stop. I'm naked, Mrs. Kremenz. I can see that. Lieutenant Lescafier. He is the great exemplar of the mode of cuisine known as police cooking. C'est un style assez étrange, niveau artistique. Now we have kidnapped your son. Wow. Allez, allez. Oh. A message from the foreman. 1 hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office.
Waouh. C'est drôle. Waouh. Ah là, ok. Alors c'est vraiment un film d'auteur et très artistique. Alors apparemment, ce film a été tourné à Angoulême. C'est génial, hein. Surtout que, voilà, si j'avais pas reçu ma demande de venir en licence cinéma à Bordeaux, eh bien j'aurais été en BTS audiovisuel à Angoulême. Yes. Si ça se trouve, j'aurais pu faire figurant pour The French Dispatch. Lol. Donc du coup, c'est vraiment un film très surprenant, juste avec les images que l'on voit, vraiment très carré, très artistique en fait. Hein. Il y a des images en noir et blanc, la couleur est vraiment très travaillée avec le jaune par exemple, la mise en scène, les plans, la composition du cadre, et puis les acteurs aussi, c'est quand même pas mal, hein, les acteurs. Mais surtout, là, ce qui me dérange, enfin, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est, je sais pas, qu'est-ce que va apporter les scènes en noir et blanc et les scènes en couleur, parce que là c'est vraiment un choix d'artiste, un choix d'auteur. Je sais pas ce que ça va impacter dans le film. Un film qui est quand même sur un magazine qui se nomme The French Dispatch, un magazine français. Je sais pas, il y a vraiment pas mal de choses là-dedans. C'est vraiment très travaillé, vraiment très travaillé. Et putain, si c'est pas un des meilleurs films de l'année, je ne comprends pas. Ça a l'air d'être un énorme chef-d'œuvre. L'acting, la technique, la réalisation, tout, ça a l'air d'être un chef-d'œuvre, et je suis sûr à 100%, à 100%, à 100%, si la cérémonie des Oscars 2020 n'est pas annulée, je pense que ce film va faire partie de la cérémonie. Et même là, juste en voyant la bande-annonce, je veux que ce film fasse partie des Oscars. Et puis voilà, c'est bon, il fait déjà partie de la sélection officielle du Festival de Cannes, donc... Voilà, c'est déjà un gage de qualité. Il faut vraiment aller le voir au cinéma. Espérons-le fin août 2020. Sinon, en octobre 2020, quand on aura repris tous les cours, espérons que le coronavirus sera derrière nous. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment très bizarre et peu compréhensible. Mais franchement, vu la technique qu'il y a derrière, ça donne envie d'y aller tout de suite, les amis. Ça va nous changer des films Avengers, hein? Et puis en plus, il y a un peu de comédie, là. Juste la dernière scène sur... No crying, il ne faut pas pleurer dans mon bureau. Merci Bill Murray, tu es génial. Putain, Bill Murray qui enchaîne Un ami extraordinaire et The French Dispatch. Où était passé Bill Murray depuis tout ce temps? Et là il arrive avec deux films extraordinaires en 2020, c'est génial. Et Timothy Chalamet aussi, putain, waouh quoi. Il va faire The French Dispatch et quelques mois après il sera dans Dune en toute fin d'année. Que demander de mieux? Putain, il fait du cinéma d'auteur, Timothy Chalamet. Yes. Et en plus on l'a vu dans Les filles du Docteur March en janvier 2020, donc putain, il est de partout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction. C'était EspritZ, coupé.